Bonjour et bienvenue pour du Elden Ring. On va se balader. La dernière fois, on a tué Morgoth. Ça, c'est bien passé. On a tué Morgoth et maintenant, on nous a dit d'aller dans un autre lieu là-bas. Et apparemment, il y aurait des géants et il ferait froid et tout ça. Bon, voilà. Encore plein de trucs à faire. Mais je me suis dit, pourquoi pas se balader et retourner dans des lieux qu'on avait déjà fouillés. Mais voir si on n'a pas genre des choses qu'on a oubliées ou des trucs comme ça. Donc déjà, on peut peut-être commencer par cette île-là. Ouais, genre voir ce qui se passe. Et puis après, plus tard, on retourne dans l'histoire principale. Again. Toi tu vends quoi? Toi tu vends tout ça. Donc ouais, j'ai pensé à faire ça. Et la dernière fois on avait trouvé le mec, le prisonnier là, qui vend des crevettes bouillies. Il vendait des crevettes bouillies à la base, maintenant il vend des crabes. Ça augmente la défense, je sais pas, genre... Enfin, nous, on était à 31, on passe à 44, genre avec le crab bouillie maintenant. Plutôt cool. Ça dure une minute et on peut en avoir 99 sur nous, donc... C'est super. C'est vraiment super. Mais ouais, se balader un peu, voir s'il n'y a pas des trucs qu'on a loupés, j'en sais rien en fait, honnêtement. Revoir des anciens NPC aussi. Parce qu'à chaque fois, il y a quand même pas mal de choses. Ah, là-bas, il y a l'épée. Il y a pas mal de choses avec les NPC, ça évolue tout le temps. Il y a sûrement des trucs à faire aussi là avec l'épée, mais je sais pas quoi. Le ciel juste à toi devant hurlant, héros solitaire combat pour se venger. Hélas, il succombe face au seigneur Godfrey. Peut-être une émote. C'est ça, j'ai pensé à ça aussi. Il y avait des trucs avec des émotes dans les anciens. Ah la putain de toi. Mais bon, on n'a rien. Érudition, le cercle. Ok. Feu brûlé en moi. Je sais pas. Le cercle. Ouais, je me demande s'il n'y a pas un truc à faire. On verra ça plus tard. On a qu'à fouiller le château vite fait. Je sais plus ce qu'il y a vraiment dans le château. Est-ce qu'il y a un NPC avec qui parler? Non, il n'y a pas de NPC. Je pense pas que ça soit utile de refaire le château. Genre, il y avait la zone où on avait tué le démon, là. Je vais m'en profiter, hein, vu que les chargements sont rapides, hein, on fait ça. Genre là, il n'y a rien de spécial. Il y a un marchand là. Il
Ah oui, il y a un marchand. Hop. Back already. Unusual. To this eight. Alors, ouais, en plus t'as des grandes flèches et des carreaux de baliste. Have a safe journey. Là on a plein de zombies sur la plage. Est-ce que le long de la plage peut-être? Est-ce qu'on n'aurait pas des grottes? Des caves ou des machins? Pas vraiment nécessaire de les tuer si on sprint. Par contre, oh, donnez-moi les vos pattes, méga rare. Voilà. Là, on a une boule. Ah ah, objet. Une dorée. Là, on a fait ce combat là. Ça donne quoi de les tuer eux? Ah, les fragments de ruines. Là on peut invoquer. Est-ce que ça on l'a déjà fait? Oh merde. Oh mon dieu. On l'a déjà fait. Ah oui, il y a des ruines que j'ai vues avec Shayna, que j'avais pas trouvé d'entrée. Enfin, c'est pas là, hein, c'est assez loin. Dans la forêt à l'est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a des loups. Truc en bas. Passage. Ah, est-ce que ça mène à quelque chose? On est d'accord que là on peut rien faire là. Non, on est d'accord que ça mène nulle part. Non. Ça a rien de... Ça sert à rien de tenter.
d'une cabriole qu'on va se retrouver par terre. Même si j'ai plus de d'arc runique parce que j'ai fait un peu de coop, j'ai pas envie de commencer à les balancer par la fenêtre non plus, hein. On va pas exagérer. Église des pèlerins. Je pense qu'on va pouvoir se téléporter autre part. Après, on pourrait toujours... ça, je pense que je le ferai à la fin du jeu, quand on aura fini. Genre... trouver... Il y a un pont là-bas. Regarder une carte avec déjà tout de... Tout indiqué. Et on fait ce qui nous manque, en fait. J'ai pensé à faire ça, mais bon, ça sera plutôt... on aura fini quoi. Parce que là ça serait plutôt histoire de finir tout ce qu'il y a à faire. Mais moi là je suis quand même, je vais encore découvrir quoi. Non. Par contre on est où là? On est vers l'arbre. Ouais, on va peut-être bouger. Et après, par contre, on a aussi la capitale. On peut toujours visiter là-bas, hein, parce qu'on doit aller genre sous-sol et tout ça. On a une clé pour ouvrir. Donc, il y a des endroits qu'on n'a pas vus, hein. Donc il y a forcément des endroits qu'on n'a pas vus. Ah, le village dément, c'est vrai. Il n'y a pas de... De point. Comment on s'y rend? C'est par là, je crois. Après le village des mains, on se casse. On va dans un autre endroit. Je sais pas, peut-être on retourne à Lindel, je sais pas. C'est vrai que, bon, bah, courir comme ça, un peu au hasard, bon, si jamais on trouve rien pendant 2 heures, bon, j'avoue que c'est pas drôle, hein. J'avoue que c'est pas le fun non plus, quoi, si on trouve rien du tout. Oh là là. Franchir le pont et tout quoi. Oh. Ah. Ah ah. On va peut-être trouver quelque chose alors. Non putain, tu vas trop vite le cheval des fois. Là, je me rappelle d'être allé, mais j'ai pas vu de...
très bon. Là, on dirait qu'il y a une grotte, on est d'accord. Genre les grottes rouges là, importantes. Peut-être en dessous. Après la plante? Putain, pourtant on y est allé. Non mais du coup là, je vais crever là. Oh si, il y a un feu. À bord du village dément. Ah bah tiens, on peut peut-être passer par là en fait pour aller au village dément. Du coup, nous, on voudrait aller à gauche. On descend. Ou alors, je passe par là. C'est un peu relou, hein, des fois, hein, le terrain. Le terrain, faudrait... Ouais, faudrait... Je sais pas. Il y a sûrement des gens qui vont faire des cartes, genre, en mode... Sûrement déjà avec tous les trucs indiqués, genre des meilleures cartes, j'ai envie de dire. Oh putain. Ah ouais, non, en fait ça m'aide pas là. Bah si, peut-être. En fait, faut que je sois en bas, moi. C'est ça le problème. Ça, c'est les ruines. Ah, voilà, oui. On est bon. Donc, on a trouvé une grotte. Yes. Galerie de vent hurlant. Ouais. Et c'est rouge donc... Oh putain, il y a encore une galerie là. C'est rouge donc en théorie, je dirais que c'est quelque chose d'important, peut-être. Par contre, on va faire la descente, là on va s'accrocher. C'est où? C'est à gauche? C'est là? Ouais, c'est là. Il y en a deux, en fait. Il y en a deux. Bon, ok. Ah ah. Bon, ben c'est du 1, mais... Allez, c'est parti. On peut peut-être utiliser un peu un arc sur... Ah putain. D'accord. Vraiment une sale tête les machins. Faire archer hein, dans le jeu.
Il est tombé. Je sais pas comment c'était touché, mais... Il y a plein de passages. La merde. Ah, par contre, ça va être chiant à l'arc, non? Ok. C'est marrant parce que la flèche reste pas sur le corps, ça grippe pas en fait. Marrant. Oh là là. On peut récupérer ça? Non. C'est le boss ça? Non. Non, là ok, là on revient dans la... dans la zone principale. Bien. Ah oui, ça, on pourrait remettre ça. Arterias, Arteria. Ah, c'est marrant ces petites grottes et tout à faire, ces mines. Surtout que c'est, il y a quand même beaucoup de récompenses à chaque fois. Toujours des pierres de forge et c'est tout des trucs de forge en fait, c'est top. Ok, on va faire le boss. Honnêtement, je pense pas qu'on ait besoin de se buffer ou quoi que ce soit, mais... hein. On va le faire parce que, voilà, on le fait. Alors, attends, il faut que je fasse ça. Ok. Ça. Ça. Et on est bon. On va invoquer lui un peu. Vas-y, yeah, bomb. Oh, il l'a fait tomber et tout. C'est vrai que lui, en tant que vrai tank, je pense qu'il est peut-être mieux que Lutel. Mais le problème, c'est qu'il peut... il peut pas... il peut pas vraiment esquiver, en fait. Donc s'il fait de la merde... encre rouillée. S'il fait de la merde du genre, il se fait bumper tout le temps, stunlock et tout machin, ouais, c'est mort, quoi. Il va se faire défoncer, alors que Lutel, elle peut s'en sortir, parce qu'elle se téléporte toutes les 5 secondes, quoi. C'est ça la différence, en fait. C'est pour ça que Lutel reste vraiment top top. Mais lui, il a l'air d'être quand même beaucoup plus tanky que Lutel. Et pourtant, il est que niveau 1. On a reçu une nouvelle arme. Ça a l'air un peu pété. Un unique navire aurait été abandonné lorsque les sans-éclats quittèrent l'entre-terre aux côtés de leur seigneur. On a un cri barbare dessus. Car ses quatre oreilles épaisses et pointues, elle permet d'exécuter des attaques perçantes. Ah, c'est une grande hache, mais perçante en fait. Marrant ça. Pourquoi je veux prendre le cheval ici, moi?
1834 de vie. Ah, on a toujours le buff de vie, en fait. Ah, il reste longtemps, lui. Oui, c'est vrai que les buffs, les autres buffs, ils restent moins longtemps. Genre les trucs de l'ordre, là. Ah, 1800 de vie, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai que le buff de vie dans l'élixir, c'est peut-être sympathique, hein, quand même. Je pense que c'est peut-être la meilleure des choses. Pour le moment. Bah, au fur et à mesure, en fait, qu'on évolue, on change, en fait, notre façon de faire, notre façon de jouer à chaque fois. Là, on est retombé à 1006. Parce que bon, 200 HP, c'est pas rien. Non, c'est son sac qui brille. Non, là c'est une lampe. On a encore du bruit, donc il y a encore des gens. Qu'on est bon. On est allé par là? Ouais, je crois qu'on a tout fait. Je pense qu'on est bon. Du retour. Ça c'est quoi ça? Un drapeau? Qu'est-ce que j'aurais marqué d'un drapeau? Ah, parce qu'on a ça aussi, les règles de ce que je m'étais imposé là pour le... Ah oui, la tortue. Oui, exact. Tortue machin. Je sais même plus à quoi ça sert de faire ça. J'ai encore oublié. Ah oui, c'est pour dédoubler je sais plus quoi. Genre quelque chose qu'on a toujours pas fait et qu'on peut pas faire. C'est pas ça? Duplication de souvenirs. Ah. Je vois. Mais attends, comment ça marche en fait la duplication de souvenirs? Permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire de l'augure des doigts. Ouais. Je sais pas. Que j'ai fait. Bah oui, du coup on en a deux. Donc on peut avoir les deux armes. Et là ça marche plus du coup. Ah putain, donc j'en ai utilisé un pour... J'aurais pas dû l'utiliser l'autre.
Ah, ok. Donc en fait, on peut... Oui, on les dédouble comme ça. Et on peut du coup avoir les deux armes. Enfin, les deux objets qui nous disent, qui nous donnent. Et à chaque fois, il faut trouver des tortues. Enfin, je sais pas, j'appelle ça des tortues, mais vous comprenez de quoi je parle. Ça évite de passer en New Game Plus en fait. Ah putain, putain si j'avais su. Nous c'est quoi qu'on avait récupéré? Ah ouais d'accord. Oh, vous êtes chauds les mecs. C'est quoi qu'on avait récupéré? Je me rappelle plus. Ah oui, l'arc. Oui, l'arc. Du coup... Après, on avait quoi autre que l'arc? Ah oui, il y avait une épée, ouais. Alors, le truc qu'on aurait pu faire, c'est... avoir l'épée x2. Comme ça, on fait double. On aurait pu faire ça. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on ferait, qu'on utiliserait quand même, mais c'est pour dire, on aurait pu faire ça. Ah, c'est pas un piège ça? Je sais même pas où ça nous emmène. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, non, là, ça nous permettrait de récupérer les deux objets. Ah, c'est là. Ok. T'es sérieux? Je peux... Pourquoi je peux pas... Je l'ai fait, cet endroit. Ça doit... Normalement, ça doit... Oui, voilà, je me suis dit quand même. Alors, ça c'est bon. Donc là, il y a un téléporteur. Du coup, il faut payer pour aller récupérer les armes ou pas? Du coup, je veux bien avoir les deux trucs. Là. Parfait. Si je fais une erreur, c'est pas grave. De toute façon, on refera tout au New Game Plus. Au New Game Plus. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tester ça. Alors, il est où l'objet bizarre là? Que on a récupéré. C'est ça. Et là, c'est quoi qu'on s'est essayé pour éviter les objets à proximité? Ah oui! Oh, pardon. Globalement. C'est vrai que ça aussi, on peut. Équiper. On peut pas utiliser directement? Non, on peut pas. Oh merde, c'est rond. Et là, librairement à la terre marquée qui fut autrefois enchaînée. Quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est vrai que c'est des choses que j'ai pas utilisées. Alors, fais voir un peu. On a le fait de se transformer en objet. Ah ouais, non, mais c'est top en fait. C'est top en fait.
Et après, on a ça, entrave de Margui, je sais pas à quoi ça sert. Aucune idée. Et après, on a ça. Ah, c'est des trucs comme ça. Oh, oh, c'est nul en fait. Ouais, bof. À la limite, pour du PVP peut-être. Fais encore. Ouais, bof. Enfin, c'est pas quelque chose que les gens vont peut-être reconnaître. Donc ils savent pas trop ce qui se passe, à la limite. Puis c'est plein de projectiles. Faut voir en fait le tracking des projectiles. S'il est démesuré, genre que le truc il est méga chiant à esquiver. Oui, là c'est marrant. On est allé là tout à l'heure pour rechecker. Ouais. C'est 50 PC quand même, c'est chaud. Mais ça peut être sympa. Si le tracking est bon, en fait, ça peut être vraiment très très chiant pour un envahisseur. Parce qu'à deux, il y en a un qui lui fonce dessus complètement tout le temps en fait en mêlée. Et après, il y en a un autre qui fait ça là. Peut-être pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Ah si, je me rappelle de ça. Ah oui oui, je me rappelle. Il y avait la dame emprisonnée. Oh, le masque, on va le mettre. It will do no good, I swear it. And yet you persist. You frothing degenerates. Il y a sûrement une histoire avec elle. Est-ce que tu réagis à des masques? Non. Non, je sais pas. Augmente grandement l'intelligence et sa force au détriment des PC. On gagne combien? Un des masques de récompense des reliques de Raya Lucan dans les études furent reconnus. J'ai aucune idée. Non, j'ai aucune idée pour elle. Ça, c'est le...
Le marchand. Alors là-bas, il y avait un truc. Je crois que c'est un truc lumineux dans la boue, là. Ça aussi, je sais pas ce que c'est. C'est là? Non, c'est à gauche. Attends, là, il y a un cimetière. Est-ce qu'on l'a fait? Ouais. Bon, pour l'instant, c'est bien. On a pu décupler une mémoire. On a pu... trouver un autre petit donjon. Oh. Champignon. Putain de merde. Ouais, c'était là. Oh, on l'a fait. On l'a fait apparaître, je crois. Fallait que les monstres le tapent, je pense. Bien. Bon ben, c'est cool. Ça, mais je crois qu'il y a rien. Oh, il y a des papillons à prendre. Ouais, je pense qu'on peut partir, honnêtement. Bien. Je pense que c'est bon. Après là, c'est vrai que ça fait léger aussi. Est-ce qu'il pourrait pas avoir des grottes? Je sais pas. Genre, c'est vrai que juste en regardant la carte, on peut voir si s'il y a quelque chose. C'est vrai que ça aide. Là, il y a des tombes. Là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi? Voyons voir. Ouais, on a qu'à se... continuer à se balader un peu. On va bien trouver des choses. De zombies. Ouais, bon là il y a rien.
Est-ce qu'il y aurait des choses? Ah, là, j'ai mis un cristal. Faut voir pourquoi. Là, il y avait un mec avant. C'est par là-bas. Plein de géants. C'est quoi ça? Ah oui, c'est là, ouais, c'est la statue. C'est vrai que les statues, je les ai notées, j'aurais dû les noter les autres. Cet endroit, on l'a fait. Ah, c'est pas... C'est pas... facile, en fait, de... Enfin, quand on a fait quand même une bonne partie de la map, c'est pas facile de trouver des choses qui nous restent. Des choses qui nous manquent, comme ça. Genre là, tu me mets dans cette direction, pourquoi? Genre là. Genre dans la forêt, on aurait loupé un truc peut-être. Je crois que ça va être un épisode un peu relou, quoi. Ah oui, non, mais là, du coup, on est téléporté dans la zone, en fait. Ouais, nous, il faudrait qu'on aille en bas. Ah bah du coup je sais pas par où passer. Je sais pas du tout par où passer. Là on est à l'extérieur ou pas? Ouais. Oui, je sais, je reviens sur mes pas. Mais... Personne? Non, y'a personne. Ah, j'aurais pu faire le claquement des doigts. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Alors, normalement, ce serait ici, je crois. Non, là, on est aux bordures de la forêt. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous manque? Je crois qu'on était déjà venu ici, en plus. Ouais, on était déjà venu. Il y a des squelettes, mais c'est tout. Bon. Site suivant. Là, il n'y a rien. Ah, ici, on avait mis un truc. Ah oui! Je sais pourquoi. Ça, je crois que je l'avais découvert avec Shiner en faisant de la coop.
Il y a un coffre à aller récupérer. Du coup, c'est de ce côté, ouais. C'est pas grand chose, hein. C'est une arme, je crois que c'est une lance. Oh, on n'avait pas trouvé ça. Ah, on n'était pas allé aussi loin en fait. Vraiment pas aller aussi loin. Ouh, ça aussi. Plein de marionnettes ici en fait. Pantin. Regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Ah, le monde est tellement grand. Donc là, en fait, en gros, l'histoire, ça serait que il y a une charrette, sûrement à cause du pot, en fait. Ça a été le bordel, et du coup, il y a eux qui sont... Enfin, il n'y a plus que lui, il est détaché. Donc, il va falloir se le faire. Lance arborescente. Une lance arborescente. Intéressant. Alors, c'est du sacré. Il faut de la foi. Ordre sacré. Compétence chevalier. Saluez, imprégnez votre arme de pouvoir sacré. Là, ça on peut le retirer. Après, je pense pas qu'il y ait autre chose. Là, on peut pas aller sur le rebord. Peut-être là, quoique non, il y avait déjà la grotte là en fait. Donc ça m'étonnerait qu'il y en ait une autre. Là on a un téléporteur à gauche. En fait faut regarder les endroits qui sont un peu vides. Ça veut dire qu'on a loupé des trucs. Là par exemple, est-ce qu'on a fait ça? Sur le petit chemin là. Est-ce qu'on est allé au bout du chemin? Par haut. Même ça reste fun, on va dire, à jouer. Parce que c'est rapide en fait, c'est pas comme si ça prenait trois plombes à checker des endroits, quoi. C'est très très rapide à chaque fois. Oh.
La gueule que t'as, le crabe. Dégueulasse. Il y a des cadavres et tout dans l'arbre. Je me demande si on vient la nuit, s'il n'y a pas autre chose. C'est bien dégueulasse quand même. Oh! Un machin bateau? Oh, l'œil de bête se met à trembler! Ah oui, en fait, on a des HP là. Mais je peux invoquer sur mon cheval. Putain, moi qui descendais à chaque fois. Bah oui. Ah ouais, non, mais moi qui... moi qui descendais à chaque fois du cheval, quoi. Putain. Mortefleur. Bandit squelette. Alors, bandit squelette. C'est où? Ici un squelette. Ah, bandit squelette. Ça serait handi continuer à vivre de la mort et insensablement jusqu'à être achevé pour de bon. Suite à la nuit du complot, les mortes fleurs se répandirent dans l'entre-terre et les non-morts apparurent dans leur sillage. L'esprit d'un bandit squelette. Ok. C'est combien? J'ai pas vu. Ça doit pas être très puissant, 22. Ah oui, par contre j'ai... Oui, non, mais c'est là l'objet. Lisse. Bah, ça c'est sympa d'avoir trouvé une morte fleur. Ils vont où les chiens? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent? On s'en fout. Ça c'est très bien. On va pouvoir la donner au cléric après. On va regarder là les trois endroits que j'ai mis. Puis après on va aller au cléric. Je suis content. Ah, ça paye hein, de se balader. Hein. Par contre, là, c'est que des gros loups. Hein. Est-ce qu'on a celui-là? Oui.
Ah, là-bas, il y a une cabane, je suis sûr qu'on n'y est jamais allé. Un super chevalier aussi. On a ces chevaliers aussi proches du début, quoi. Oh la vache. Ah mais lui il est là pour tuer les noobs, quoi. De culte draconique, what? A donné un prêtre expérimenté pour obtenir de nouvelles incantations. Des incantations? Pardon. Aucune idée. À qui on pourrait le donner? Aussi, il faudrait les faire, les tableaux. Oh! Putain, mais il y a des trucs en plein milieu de rien, quoi, c'est abusé. On va lui donner la machin. Il est où le cleric beast machin? Il est dans l'est, c'est ça? Ouais. Sanctuaire bestial. On va voir si ça lui fait. Ça le. Je sais pas quoi. S'il kiffe ou pas. What? Oh! Les dégâts qu'il fait. Il va me tuer ce con. Ok. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le calmer pour... parce qu'il est rouge en fait, c'est très bizarre. C'est bon? Arrête, arrête! Lutel! Attends. Ok. Ça. On va voir si ça reset la ok, la salle, ouais. C'est bon, tu t'es calmé? Ok, ça marche. Ça m'a fait peur, je me suis dit, merde, putain, encore une... Genre une quête qu'on a merdé. Ah, y a intérêt. Oh là là. I must consume more.
Griffe bestiale. Ah, c'est ce qu'il faisait. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On a quoi, 11 000 sur nous? On peut peut-être combattre le truc qui est devant nous. Alors, on a griffe bestiale. Conjure des griffes de bêtes provoquant des ondes de choc. Charger cette incantation pour accroître sa puissance. Incarne la fureur de Kurang, le clerc bestial. Sa nature bestiale retrouvée ainsi que son éducation. Fais voir un peu. Ça, ça a l'air peut-être pas mal. Il faut à peine 8 de fois en plus. Ça, c'est pas mal. Ça c'est pas mal j'imagine parce que ça doit toucher plusieurs fois vu qu'il y a plusieurs griffes. Ça doit faire des bons dégâts sur des cibles larges. L'empoisonnement on l'utilise quasiment plus. Je me demande si on peut pas mettre autre chose à la place. Poison, saignement, sommeil, ouais non on s'en fout. Je sais pas quoi mettre. Ah, poison et putréfaction écarlate. Oui, ça, ça peut peut-être être plus intéressant déjà. Bon, alors fais voir toi par contre. Toi, t'es chaud, toi. Je me rappelle que lui, il nous avait one-shot hein, quand même. Bon. Il y a quand même longtemps, mais un one shot reste un one shot. Est-ce qu'on peut la buffer? Est-ce que ça la buff aussi? Ouais. Ok. Bon, il nous one shot plus, c'est déjà ça. Pas mal, pas mal. Non. Ah, juste un peu trop court, c'est con. Hein. Ah merde, c'est quoi ça? Yes! Ah, tu me tournes autour en fait. Ah la pute, j'ai failli. Je pense que je pouvais le tuer là. Ouais, j'étais en animation. Non mais sérieux, on peut te tuer là? Merci. Oh, 88 000. Lame sombre de gargouille. Hallebarde noire de gargouille. Ah ouais, t'es pas de la merde.
Ah oui, il y a ça aussi, on n'a toujours pas testé. Alors... La grande hache, cri de guerre. À l'instar de son porteur, un morceau manquant a été comblé par un amalgame le plus glorieux. Ah non, ça, voilà. Hallebarde noire de gargouille. Telle est la marque des serviteurs de Malikel, à la lame, les ébène. Hallebarde en bronze maniée par une gargouille championne. Rapiécée à l'aide d'adipocire noire, inflige des dégâts sacrés. Ah, ouais. Pas mal, pas mal. Et après, je trouve pas l'épée. C'est une épée, hein. Bon, après, c'est pas très très grave. Ah, ça, l'âme sombre gargouille. Ouais, le gargouille. L'âme d'Atipocire. Compétence oubliée des héros de jadis. Vous modifiez votre épée. Vous brandissez votre épée pour déclencher une puissance. La puissance de l'Atipocire. Puis projeter face à vous, projeter en forme de lame. D'accord. Alors, moi, il y a ça. Ouais, t'as les mêmes mouvements. Et après, c'est quoi ça? Ouais, du coup, il nous faudrait... Ouais, la dex, on n'a pas assez de dex, en fait. Pour pouvoir faire la taillade de 100 viciers, là. Ah là là, c'est embêtant, ça. Ouais, c'est stylé. Le truc qui nous saute dessus, on lui a mis une baffe, il est tombé. Bon, ça, ça c'est bien. C'est... On a fait la gargouille là, bizarre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il y a plein de monde à se casser. Ouais, l'épée de Margot là ou je sais plus quoi. Ça peut être intéressant. Je pense encore que notre attaque, honnêtement, est encore la meilleure. Notre attaque de limier. Je pense honnêtement que c'est la meilleure. Pour le moment encore. Ah oui, je voulais repartir. Ça c'est les beffroi. Non, là. Regardez la prêtresse là. Ou je sais pas quoi. La celle qui dort en poupée. Il y a ça. Voir si ça a évolué. Rani là. Il y a Rani, il faut combattre, c'est ça qu'il avait dit l'autre. Parce que elle aussi c'est une demi-dieu. C'est pas ça le truc? Ouais, je sais pas. Les noms, en fait, j'ai du mal en fait à retenir les noms.
J'ai pas mal de mal. On va voir les autres tours, celle-là là-bas. Ah oui, il y en a une dans laquelle on peut pas rentrer. Ou alors on l'avait fait, je sais plus. Non, il y a Rena. C'est Rena qu'on doit tuer, je crois. On a 100k encore. Je sais pas quoi en faire des 100k. Sûrement acheter quelques, je sais pas, quelques babioles. Chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. Toujours aussi sympathique, lui. Catacombe des aberrations. Ouais, là j'ai pas trop d'endroits en fait à aller, en tête, je vois pas trop. Ah oui, il y a des ruines là que j'avais pas fini apparemment. Putain, je sais plus lesquelles. Ah, mais je crois que c'est là. Ça, j'ai vu ça pendant que je faisais de la coop. On va faire ça, puis après on va s'arrêter, je pense. Bon, ça va, on a fait un. Boss, on a deux boss même. On a trouvé une morte fleur, un donjon. Donc bon. Alors c'était où? Peut-être ce côté. Je crois qu'on va devoir tuer tout le monde pour regarder la carte. Tellement vénère ce truc, c'est ouf. Bah merde, je trouve pas du tout. Bah, ça devrait être là, je crois. Ah. Normalement, c'est des escaliers. J'ai du... Ouais, non, j'ai du mal les noter. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on n'a pas ne nous manque pas. Mais ouais, non, ça doit pas être loin, normalement.
Bon, c'est pas grave. Ah, c'est là. C'est là. Ah, parfait. Cloche de mort de spectre. Ah oui, oui, c'est pas une arme, c'est ça, c'est la cloche. Du coup, c'est ce qu'ils font, eux. Voilà. Et ça consomme combien? Je crois que je passe les objets à utiliser. 7. Des specs poursuivants. Et nous, on a 50. On a la variante un peu pétée. On a toujours pas testé ça aussi contre des cibles en fait. Voir ce que ça fait. Fais voir, y a pas un truc qui traîne. Pas mal. C'est assez rapide en plus. Nous a sauté dessus alors que on invoquait les trucs. Bon bah voilà. On va s'arrêter là pour le moment. La prochaine fois, je sais pas trop si on recherche encore des zones ou alors on continue, on essaye d'avancer dans l'histoire, dans la nouvelle zone peut-être. Après, il y a un endroit aussi, c'est là. Là, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas grand-chose. Genre, il y a ça, par exemple, là, on n'a pas fait. Ouais, on pourrait peut-être se balader dans ce village-là, cette zone-là, la prochaine fois. Et après, on voit un peu comment on peut faire évoluer la chose. En plus, c'est pas trop difficile ici pour notre niveau, maintenant. Donc... pourquoi pas, ouais. On n'a qu'à faire ça. Ça sera tout. Ah, parler à Mélina. Think not of the kindling. I shall see to that. All I ask of you is to make the journey to the snowy mountain tops of the giants, far above the clouds. I know. I'm asking you to commit a cardinal sin, but it must be done to reach the path beyond, and that is the path I wish to travel. What is your mind? Ok, merci. Voir ça, on peut... Ah ! Tu peux changer, enlever le chapeau en fait, et garder juste le visage. C'est un peu comme, ouais, le même système avec la cagoule, avec ça, c'est marrant. Ah, là, pareil. C'est vraiment sympa, ouais, cette façon de modifier les armures. Mais c'est bête qu'on voit pas vraiment, en fait. Enfin, je fais ça à chaque fois parce que je regarde l'image au centre, mais en fait, l'image en dessous, elle le dit aussi, hein, l'image en bas à gauche. Elle le montre. Bah merci Mélina. Ouais, on va s'arrêter là. Je vais voir ce que je fais la prochaine fois. Je me balade un peu ici, puis sinon on se casse et on essaye. On retourne à... comment ça s'appelle ? Lindell, la capitale royale. Et on fouille encore un peu plus pour essayer de trouver un chemin pour les sous-sols, parce qu'on a une porte à ouvrir.
Et sinon, ouais, je pense que... Ouais. Mais bon, je suis sûr qu'il y a des choses hein, encore qui nous manquent, hein, bien sûr, sur la carte. Hein, elle n'est pas complète, hein, ça c'est 100% certain qu'elle n'est pas complète. Mais bon, il faut trouver les endroits quoi, à chaque fois. Ça, c'est un peu compliqué des fois. Surtout que c'est un peu grand de temps en temps, donc faut voir. Mais ouais, pourquoi pas fouiller un peu ici, parce que je trouve ça un peu étrange. Faudra peut-être sûrement suivre ce chemin et descendre. Comme ça. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. On n'a qu'à faire ça. Genre là aussi. Ouais, on fera ça. Attends, on va peut-être les mettre dans l'ordre. Hop, hop. Il faudrait un bouton pour supprimer toutes les balises. Genre, on reste appuyé, ça supprime toutes les balises. Il y avait ça dans... Death Stranding. Voilà, 1, 2, 3. Très bien. Ce sera tout. À la prochaine. Ciao, ciao.